lift the top of the buckle. Turbulence may occur without warning, and we do recommend that you keep your seatbelt fastened at all times, even when the seatbelt sign is off. In the event of an emergency, you will hear a command to brace. Refer to your safety features card for the brace position. Do not take any carry-on baggage with you during an evacuation and follow the directions of this crew. There are a total of 8 emergency exits, 4 window exits located mid-cabin over the wings, 2 door exits at the front, and 2 door exits at the back. Please take a moment to find the exit closest to you along with all other exits. Should a power loss or emergency occur, floor lighting will come on and all exits will be indicated by illuminated exit signs. And should cabin pressure change, oxygen masks will drop from the panel above you. Remain seated and immediately pull a mask towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and place the elastic strap behind your head. Pull the 2 loose ends of the front to tighten. And put your mask on first before assisting anyone else. In preparation for takeoff, please ensure your seat back is upright and your tray table is stowed. If your electronic device becomes wedged within the seat, do not adjust the seat or try to retrieve it. Call your cabin crew immediately for assistance. And always use care when retrieving carry-on baggage from the overhead bin to avoid injury to yourself or other guests. Thank you for choosing WestJet as part of your journey today. Please let us know if you have any questions or concerns. We do hope you enjoy your flight today. And for the safety of everyone on board, your crew members may have completed the safety demonstration while wearing a mask. And should that oxygen mask drop from the panel above you, you must first remove your face mask, don the oxygen mask, and follow the demonstrated procedures. Thank you so much for your attention. We're going to do this one more time in French and be on our way. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez nous accorder votre attention alors que nous présentons les mesures de sécurité suivantes. Vous trouverez devant vous une carte des mesures de sécurité concernant cet avion. Veuillez en suivre avec nous les points importants. La cabine est munie de voyants concernant les ceintures et l'interdiction de fumer. Veuillez vous y conformer en tout temps. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou des vapoteuses et de consommer vos propres boissons alcoolisées, y compris celles achetées aux boutiques Hortax. Votre ceinture de sécurité doit être bouclée et ajustée à vos hanches lorsque les voyants des ceintures sont allumés. Pour ce faire, insérez la languette de métal dans la boucle et tirez sur la courroie pour l'ajuster. Pour la détacher, soulevez la boucle. Des turbulences peuvent survenir sans avertissement. Nous vous recommandons de garder votre ceinture bouclée en tout temps, même lorsque les voyants des ceintures sont éteints. En cas d'urgence, vous entendrez une commande vous demandant de prendre votre position de protection. Consultez votre carte des mesures de sécurité pour connaître votre position de protection. Ne prenez aucun bagage avec vous en cas d'évacuation et suivez les directives de l'équipage. Il y a au total 8 sorties de secours, soit 4 hublots de sortie au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, 2 portes à l'avant et 2 portes à l'arrière. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre siège ainsi que l'emplacement des autres sorties. S'il y a une panne d'alimentation ou une urgence, l'éclairage de plancher s'allumera et toutes les sorties seront indiquées par leur enseigne de sortie illuminée. En cas de changement de pression dans la cabine, le panneau situé au-dessus de vous s'ouvrira et déclenchera des masques à oxygène. Restez assis et tirez immédiatement sur un masque afin que l'oxygène se libère. Placez-le sur votre nez et votre bouche tout en passant la bande élastique derrière votre tête. Tirez sur les deux extrémités à l'avant pour l'ajuster. Mettez votre masque en premier avant d'aider les autres. En préparation du décollage, veuillez redresser votre siège et votre tablette. Si votre appareil électronique reste coincé dans votre siège, n'essayez pas de le récupérer ou d'ajuster le siège. Demandez immédiatement l'aide d'un membre de l'équipage de cabine. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres invités, faites attention en tout temps lorsque vous récupérez vos bagages dans les compartiments supérieurs. Merci d'avoir choisi WestJet pour votre vol aujourd'hui. N'hésitez pas à communiquer avec les membres de l'équipage de cabine si vous avez des questions ou des préoccupations.